Je n'ai jamais souhaité être photographe. La photographie m'a attrapé. J'étais coopérant militaire et j'étais directeur d'une alliance française il y a très longtemps au bout du monde, au Sri Lanka. Et puis, dans le cadre de mon travail de l'alliance française, je fais passer, j'organise une exposition de livres d'art qui touchait à tous les arts. Donc la plupart étaient sur la sculpture, sur la peinture, quelques-uns sur la musique et un sur la photographie. Et je m'intéressais, comme tout le monde, à, à l'art, mais j'ouvre celui sur la photographie. Et d'un seul coup, je suis absolument euh, extrêmement étonné. Euh, les photos n'avaient. Elles ne racontaient rien de particulier. C'était comme s'il y avait une mise en scène, mais il n'y en avait pas. Et j'ai été complètement troublé. C'est à partir de là, mon regard a complètement changé sur la photo. Euh, je n'ai plus jamais aimé ma photo. Les photographies que je faisais avant. En revanche, j'ai découvert que la photographie existait, que c'était vraiment quelque chose d'important. Ce livre, c'était un livre de Henri Cartier-Bresson. Alors, c'est un peu un lieu commun à propos de l'URSS, et il a changé complètement ma destinée. La photo qu'on aurait voulu prendre, c'est la prochaine, c'est celle qu'on a envie de prendre. C'est toujours la prochaine, c'est celle qu'on attend. Il ne faut jamais se retourner vers le passé, il faut plutôt regarder vers l'avenir. Et, et là, oui, c'est celle dont on rêve. Sinon, il y a une photo qui m'a toujours beaucoup troublé, qui est une photographie très connue du 19e siècle, et qui est une photographie de William Henry Talbot, Fox Talbot. C'est une meule de foin, juste une échelle posée. Je crois que cette photo montre qu'on peut faire d'abord la photographie avec très peu de choses, mais que d'un seul coup, elle peut exister une vie entière. Je crois que, alors, je, je, je crois que la photographie, c'est comme la peinture, c'est comme tout. Celle qu'on aime, c'est celle qu'on peut supporter une vie devant ses yeux. Je pense que je pourrais la, la supporter toujours et en tous les cas, je, je l'aime beaucoup. La série à la Fnac, c'est quelque chose de très particulier. C'est un livre qui s'appelle République. C'est une idée que j'ai eue il y a trois ou quatre ans. Et je voulais parcourir la, la République, les 200 ans, de manière extrêmement libre. Et j'ai donc proposé à Raphaël Baquet de faire ce livre avec moi, ce qu'elle a accepté extrêmement rapidement. Et je voulais, enfin nous voulions construire un, une sorte d'abécédaire déconstruit. Qui, qui donne naturellement des entrées euh, extrêmement attendues, comme fraternité, comme liberté, comme égalité, mais aussi des, des choses euh, complètement inattendues, avec des mots qu'on ne connaît pas, ou des... et surtout un, un rapport entre les mots et l'image qui soit extrêmement particulier. C'est une série qui mêle la photographie, les mots et le graphisme. Et ça, quand je l'ai imaginé il y a maintenant, euh, oui, plusieurs années, je voulais vraiment le, la, la décliner ainsi. ce n'est pas la photographie. alors, bien sûr, j'ai fait attention à toutes les photos qui sont dedans. j'en ai fait certaines. j'ai revisité mes archives. mais, surtout, ce qui me, ce qui me plaisait vraiment beaucoup, c'est de mettre de juxtaposer des choses. la légende n'est jamais celle qu'on attend à côté d'une photo. la photo est autre. de façon à amorcer un, un dialogue et c'est un, un vrai voyage en, en république. Et ce que, ce que je souhaite, c'est que, que le spectateur ou le lecteur refasse lui-même son propre voyage. Il n'est pas question de lire ce livre de la page de la première page à la fin. Il est question d'y aller, d'y retourner et de se poser des questions. Ce qui, ce qui est le plus important, c'est que j'aime vraiment beaucoup travailler sur un livre. Il y, y, y a beaucoup de plaisir dans la photographie, les faire chacune, ensuite organiser des séries, faire des séries, les rencontres bien sûr, mais travailler sur un livre c'est quelque chose de très particulier. Et c'est une série qui est d'ailleurs même dans le, la série proposée à la FNAC, euh, euh, comme vous l'avez vu, sont des photographies des planches du livre, avec euh, sans arrêt du graphisme, des mots un très court texte, de façon à, à proposer un voyage euh, et, et de façon à ce que le lecteur puisse se réapproprier aussi ce voyage. Rien, strictement rien, sauf cas extrêmement particulier. Euh, mon premier livre, euh, qui est maintenant très ancien, euh, il, y a, il y a presque 30 ans. On pense toujours que quand on va faire un livre, euh, <laughs> il va se passer quelque chose naturellement, sauf qu'à, encore une fois, très particulier, il ne se passait rien. On n'a rien à attendre du livre. On fait un livre, si on a la chance de pouvoir en faire un, c'est un pur plaisir. C'est le plaisir de le faire, de l'imaginer, de le réaliser. C'est formidable de pouvoir décliner en toute liberté un livre. Eh bien, quand on en a fait un, on en fait un autre, un autre, donc j'en ai fait plus d'une trentaine, ça ne m'apporte rien de particulier, sinon l'immense plaisir de le faire, et aussi du retour euh, par les spectateurs dans les expositions, mais par les lecteurs, euh, les lecteurs du livre, et tout ça, c'est un lieu d'échange, et puis c'est aussi un... Un moyen d'échanger avec un auteur ou d'échanger avec un graphiste et de construire quelque chose qui est, que j'aime tant, qui, qui s'appelle faire de l'édition. Voilà, préparer, éditer, préparer un livre, c'est pour moi un des vraiment très très grands plaisirs de ma vie. Bah, je n'attends aucune réaction précise. Euh, J'ai en tous les cas envie que le lecteur ou que le spectateur de, de l'exposition euh, soit arrêté par une, par une mise en page, par une photographie, par un titre, qu'il ait envie, qu envie d'aller voir plus loin et qu'il qu se dise Mais. Qu'est-ce qu'ils ont imaginé après Et surtout lui donner aussi envie, comme vous savez quand on travaille sur une série comme ça, chaque tiroir qu'on ouvre, ça, il y a un autre tiroir derrière et on pourrait travailler une vie. J'ai aussi envie dans cette série qui est quand même qui n'est pas anodine, qui s'appelle République, c'est que les gens se rendent compte que. On vit en République, on a tendance à l'oublier. Il y a d'autres pays où j'ai beaucoup... Euh, j'ai fait, entre autres, un livre sur les 25 ans de médecins du monde. J'ai été compagnon de route de médecins du monde. Euh, j'ai vu la souffrance dans, ou la barbarie dans, dans beaucoup de pays. On a la chance de vivre dans une République euh, qui, certes, nous exaspère de temps en temps, mais, mais qu'à à la fois, euh, moi, issu de, de, de modestes enseignants de la République, euh, je garde toujours beaucoup de respect pour cette République. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que le, le lecteur, le spectateur euh, aura envie de, de, de revisiter lui-même cette euh, République française. Euh, je travaille, euh, mis à part des expositions, une vient de se terminer à Washington, une autre se prépare dans un festival qui s'appelle Photomed, euh, mais sinon je prépare un livre sur le très libre, sur le musée du Louvre, entre autres, euh, qui sortira en 2013, un regard personnel sur tout le musée du Louvre, euh, beaucoup d'autres choses, mais chaque chose en son temps, une chose après l'autre. C'est à la FNAC euh, internationale qui était sur le boulevard Saint-Germain que nous avons organisé le premier débat à Paris en 1991 autour de la guerre en ex-Yougoslavie. Voilà, ça sont des moments très importants. Euh, S'en est suivi, malheureusement, la guerre a perduré. Moi, j'ai fait aussi un livre autour de cette guerre en Bosnie, j'y suis allé souvent. La FNAC a toujours été présente et tous les débats sont passés à la FNAC. La FNAC, ça a été pour moi aussi euh, une autre opération qui était un livre pour un enfant roumain ou pour un étudiant roumain après la, la chute des Ceausescu en 89. Et au retour de. Moi, j'étais présent là-bas et avec André Glucksmann, le philosophe, euh, sommes venus euh, essayer de convaincre euh, la direction de la FNAC de, de participer à une opération pour aider la Roumanie, ce qui s'est passé. Encore une forme d'engagement. C'est aussi. Euh, de deux expositions qui m'ont particulièrement tenu à cœur et les deux se sont tenues à la Fnac Montparnasse. L'une était pour euh, avec le journal Le Monde puisque Le Monde a envoyé à l'époque il y avait très peu de photographies, je vous parle des années 1989 et 1990. Et Le Monde m'a envoyé par deux fois faire euh, le Festival de Cannes, je n'avais qu'une photo, nous sommes dans la page, et, et la deuxième année, euh, la FNAC, nous avons passé un accord avec la FNAC qui remettait chaque jour les photos que je faisais pour le monde. Voilà, donc ça a été une très belle exposition, un très beau souvenir. Et le deuxième souvenir, euh, j'ai fait un travail autour d'un écrivain qui était très rare, mais qui était un de mes meilleurs amis, qui s'appelait, il est mort euh, il y a quelques années, Bernard Franck. Et, et j'ai fait le Paris, P-A-R-I-S, le Paris de Bernard Franck que nous avons montré ici. Et j'ai un souvenir du, fermi, du vernissage absolument formidable. Voilà, donc je n'ai que de bons souvenirs à la FNAC.